Salut à tous, c'est Cantunox01, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, deuxième vidéo de la journée. Ah, c'est rapide, hein. c'est je régale aujourd'hui puisqu'il y a eu beaucoup de mises à jour. Et là, on va parler d'un jeu pas très connu, Fortnite. Une petite mise à jour, pas du tout. C'est une grosse mise à jour pour la Switch parce que, Fortnite, en tout cas Epic Games, a mis sur son site qu'ils avaient grandement amélioré la version Switch puisque maintenant. Ils ont vraiment amélioré les graphismes. Ils ont réussi à avoir 100 MO de plus sur la Switch. Donc 100 MO d'espace vidéo de plus pour afficher donc une meilleure qualité d'image, des meilleures textures, des meilleures une meilleure render distance, etc., etc. Donc je me suis dit, on va tester ça dans cette vidéo. Ça fait un peu suite à ma vidéo amélioration des graphismes de Fortnite. Qui a fait énormément de vues d'ailleurs, je vous en remercie. Fortnite, je pense que vous aimez bien. De toute façon, tout le monde aime, hein, à part les rageux. Même si ceux qui. Voilà, bon, on va pas en parler, mais. Voilà, tout le monde aime Fortnite. Et là, Fortnite sur Switch, eh bien, on va tester le mode solo. Donc là, on est dans la saison 7. Donc il y a un espèce de mode un peu spécial avec des zombies et tout. Mais on va essayer de faire un top 1, mais bon, je pense pas qu'on fera un top 1. De toute façon, c'est juste pour tester un peu les graphismes. Est-ce qu'ils se sont améliorés ou pas? On va voir ça dans cette vidéo. Donc c'est parti. Nous sommes dans le chargement. Donc Fortnite, ça fait longtemps que je joue pas. J'avais testé il y a une semaine un peu sur Switch. Pour tester un peu. Et après, hop, mise à jour, optimisation. Donc c'est plutôt cool. On va voir ce qu'ils ont fait là. Donc je vous mettrai le patch note. En description ou même peut-être dans les commentaires parce que après le montage c'est un peu compliqué hein, c'est fou, j'ai un peu la peine de faire le montage là. Ah ouais, ouais c'est beau hein. Ben écoutez, je vous dis là le jeu, ben déjà les textures sont beaucoup mieux là vraiment. Ah oui. Ah oui, contrairement. Ah oui, j'ai joué. Alors attendez. On va aller où? On va aller. Il y a des villes que je connais même pas. On va aller tranquillement là-bas, là. À Lonely Lodge, tiens. On va faire un spawn tranquille. Mais là, j'ai joué il y a quelques jours, comme je vous ai dit. J'ai dit une semaine. Non, c'était il y a quelques jours. Ouais, cette vidéo, je voulais la faire. Et je voulais un peu parler de la 60 FPS, parce que là, cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle permet de comprendre et qui permet que Epic Games fait quand même beaucoup d'efforts pour permettre une meilleure optimisation du jeu sur Switch. Parce que comme vous savez ou vous ne savez pas peut-être, mais genre il y a des gens, il y a peut-être un défi pour ça. Si vous ne savez pas, et bien Fortnite... est en 60 fps sur presque toutes les personnes en fait. Et il n'y a que la version Switch. Ok, je connais même pas là. Ah oui, il y a bien un défi. Oh, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Les défis, moi j'ai abandonné. Hein. De toute façon, j'ai pas le pass de combat. Je me dis, je joue moins. Bah, j'étais dans la hype d'il y a un an là. Mais là, clairement, j'y suis plus. Je joue quelques fois pour m'amuser hein, avec des potes et tout. Hop, je fais n'importe quoi. Hop. Ça va là. Et ça, on laisse là. Donc, je joue surtout sur PC. Hein. Même si sur Switch, ça peut être sympa. D'où le coffre. Ok, on construit. On est un peu fou. Donc, ouais. Ça présage du bon pour du 60 FPS. Comme vous voyez, le jeu est beaucoup mieux. La résolution a augmenté, ce qu'ils ont dit. Donc premièrement, ils voulaient, je pense qu'ils voulaient améliorer le graphisme et la résolution. C'est fait, hein, vraiment là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Hop, des champignons. J'ai l'impression que j'entends quelqu'un. Ok, on va prendre ça. Et on va regarder la map, ok, la zone est un peu loin quand même. J'entends quelqu'un là.
Hop. J'ai mis je sais pas combien de têtes. Ça dégage, hein. Hop. Il est impressionné, il me regarde là, il fait wow wow wow. Waouh waouh waouh. Il est quand même bon lui, hein. Hop, on prend ça. Je pense qu'on est pas mal là. Oui, il y a un mec là, j'ai fait. On a tous vu, hein. Hop, ça dégage. C'était un mec qui commençait à jouer, je pense, parce que là, c'est compliqué, c'est compliqué. On va ramasser un peu de bois. Parce que le bois, c'est quand même la vie dans ce jeu. Ça s'appelle pas Fortnite pour rien. Donc ouais, ça a du bon. Je pense que là, Epic Games va se concentrer sur le 60 FPS, parce que là, au niveau du graphisme... À part, voilà, les textures encore qui sont pas... Ça manque d'herbe, en fait. Là. Ah oui, là, je suis dans un endroit de la map, voilà. Mais normalement, là, il y a plein d'herbe et tout, et... Il y a un relief au niveau de la neige. En tout cas, sur PC. Après, PS4 et tout, ça ressemble à la version PC. Non, en vrai, là, c'est vraiment pas mal. Là, on peut vraiment dire que les graphismes ont été améliorés. C'est vraiment pas mal. Ils ont vraiment bien bossé le truc et tout. C'est vrai que ça faisait quelques mois. Je regardais un peu les patch notes pour voir s'il y avait des mises à jour sur la Switch. Eh bien, il n'y avait aucune mise à jour. À chaque fois, c'était des nouveaux objets et tout. Il n'y avait pas d'amélioration de la version Switch. Et puis là, finalement, après... des années, les mecs se sont bougés un peu pour on va prendre ça, hein. Non pas, hop hop, donc ouais, ils se sont bougés pour enfin ils ont bougé un peu le jeu pour qu'il soit en 60 fps, pas du tout, qu'il soit plus beau. Donc je pense que 60 FPS il arrivera dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est parce que je vous rappelle quand même la version PS4 et Xbox One, ils n'avaient pas 60 FPS à la sortie. Hein. C'était comme sur Switch, ils avaient du 30 FPS. Mais ils avaient quand même des meilleurs graphismes. Ok, la vidéo tour s'il te plaît. Pas de visée auto, hein, c'est je... il m'a défoncé les gars, c'est waouh. J'ai construit par contre et il a cassé mon mur, c'est bizarre, très bizarre. Par contre, j'avais pas de visée auto, c'est bizarre, attendez. J'avais pas de visée auto. Je veux dire, ouais, t'es nul et tout, mais les gars, essayez de jouer. Et de la visée, oui. C'est bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. En tout cas voilà, bon, j'ai pas fait top 1, que vous avez dit, je voulais pas faire top 1, vraiment c'est, je veux pas faire top 1, c'est pas un jeu où on fait top 1, c'est un jeu où on s'amuse avant tout. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le jeu, eh bien il s'est grandement amélioré, comme vous avez pu voir. Voilà, le jeu a des graphismes beaucoup plus hauts qu'avant, et j'espère, pour les versions, pour les joueurs Switch, que Epic Games va sortir un peu une mise à jour avec le 60 FPS, parce que c'est quand même un jeu qui doit se jouer sur la fluidité et pas sur les graphismes. C'est surtout la fluidité et je pense que ils arriveront un jour ou l'autre. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez la version Switch et si vous avez constaté que le jeu est beaucoup plus beau. Après, il faut tester en mode portable. Mais je pense que c'est pareil. Donc dites-moi en commentaire si vous jouez sur Switch ou quelle plateforme vous jouez. Et si vous jouez sur Switch, dites-moi si vous remarquez des graphismes améliorés. Je pense qu'on le voit tous, c'est quand même plus beau qu'au début
On rappelle, à la sortie du jeu, c'était affreux, hein, vraiment. C'était même moi, je l'avais dit. Vous avez qu'à regarder ma vidéo découverte de Fortnite Switch. Bah, c'est ça ramait, c'était pas beau à voir, c'était full pixelisé et tout. Et là, ça s'est quand même amélioré de temps en temps. Ça fait presque un an d'ailleurs qu'il est sorti bientôt en juin là. Ça fera un an, donc c'est beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à cette vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur Fortnite. Et n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo sur Smash Bros. Switch, Smash Bros Ultimate sur la plante Piranha. Voilà, c'était Cantinox 01. Bye!